Salut tout le monde, c'est Coach Victor et on se retrouve ensemble pour la 70e séance de Sweat at Home. Au moment où on enregistre ce live ensemble, il fait particulièrement chaud en Île-de-France ainsi qu'en France en général. Je vous invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à préparer une gourde remplie d'eau, très important, pour vous désaltérer pendant la séance. Cette séance 70, comme je vous le disais, elle va être un peu plus accessible, un peu moins intense que d'habitude. C'est fait exprès, c'est pour s'adapter à la température qui fait, puisque pendant que l'on enregistre ensemble cette séance, il fait largement plus que 30 degrés en Île-de-France ainsi que dans une bonne partie de la France, donc on adapte l'effort. Si c'est la première fois que vous faites une séance sweat at home, je vous rappelle brièvement le principe, on va faire du cross-training, c'est-à-dire une méthode de préparation physique générale où on utilise tout notre corps, sans exception, et on va ensemble devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Donc on va être à la fois plus fort et plus endurant, on va être plus souple, mais aussi plus solide. Le cross-training, c'est accessible à tout le monde et à tout âge. Je vous proposerai des adaptations, que vous soyez débutant parce que vous découvrez ce soir ou pratiquant, pratiquante déjà confirmé. Voilà. Bonjour Chloé, bonjour Paul, bonjour Vicky, bonjour à toutes et à tous qui participent avec moi à cette séance en live et bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui feront cette séance en replay. Donc, je le redis, mais c'est important, on prépare sa petite gourde, sa petite bouteille d'eau à proximité. On prépare évidemment l'espace dans lequel on va s'entraîner. Donc, on va venir pousser les meubles, on va venir mettre un tapis au sol. Si on n'a pas de tapis, une serviette de plage, par exemple, parce que c'est la saison, ça fait très bien l'affaire. Bonsoir Marion, bonsoir Cosmine, bonsoir Noémie, bonsoir Étienne. Alors, avant de démarrer cette séance, je vous rappelle simplement le déroulé, on va avoir 5 minutes de mobilité, ensuite on aura 15 minutes d'échauffement. On aura ensuite un renfort ce soir qui durera 7 minutes. Et à la fin, notre corps de séance, ça sera un circuit training relativement court puisqu'on en aura pour 12 minutes. Voilà, on a notre eau, on a notre tapis. C'est parti pour Sweat at Home séance 70. Je suis ravi de vous retrouver. On y va. On va commencer notre mobilité ce soir en ayant le buste fier. On va squatter, se mettre en squat profond. Donc on descend fessier en dessous des genoux. Le buste fier, le dos droit. Donc je ne regarde pas le sol, je regarde loin devant moi. Et avec la main droite, je vais venir attraper la cheville gauche. J'enroule bien ma main tout autour de la cheville. Et je vais venir avec le bras gauche chercher vers le ciel. Et cette position, on va la faire pendant 20 secondes. C'est parti. Encore 5 secondes. Allez les amis, on tient. Et 3, 2, 1... On relâche, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, j'attrape ma cheville droite, j'enroule toute ma cheville et je vais chercher vers le ciel 20 secondes. Allez, le regard accompagne, le bras est tendu vers le ciel. Se mettre à quatre pattes sur le tapis, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux, et on va venir échauffer nos poignets doucement en mettant du poids dessus et en faisant des petits tours dans un sens puis dans l'autre. Allez, on commence, on met un petit peu de poids, on fait des tours de poignets pour préparer les efforts à venir. Et on change de sens.
Et on relâche. On va repasser en squat profond, refaire exactement l'exercice qu'on a fait précédemment. C'est parti. Squat profond, fessiers en dessous des genoux. Avec la main droite, je viens attraper, enrouler la cheville gauche. Et le bras gauche vers le ciel, je tiens 20 secondes. Secondes, 3, 2, 1, on relâche, on change de côté, la main droite enroule, la main gauche, pardon, enroule la cheville droite et le bras droit vers le ciel. 20 secondes. Secondes. Allez, on tient. 3, 2, 1. On relâche doucement. On va repasser à quatre pattes. Mais cette fois-ci, les doigts vont être en direction des genoux. Donc, je répète, les doigts en direction des genoux. On tend les bras et on refait la même chose. Des petits cercles en mettant du poids sur nos poignets. Et on change de sens. Ah, ok, on relâche. On va venir se mettre en fente. Une jolie fente avec le genou avant à 90. Et la jambe arrière, pied pointe, genou arrière au sol. De là, j'appuie le bassin dans le sol, je pousse le genou avant vers l'extérieur, j'emmène les bras vers le ciel, 30 secondes de chaque côté, même si on ne bouge pas, on continue à appuyer les fessiers vers l'avant et le sol. C'est parti. Allez, encore, on tient. Encore 5 secondes. Et 3, 2, 1. On relâche doucement et vous vous en doutez, on change de côté. 90 degrés à l'avant. Jambes arrière. Genou au sol, pied pointe, j'appuie le bassin dans le sol, je pousse le genou avant vers l'extérieur et bras vers le ciel, 30 secondes, c'est parti. Allez les amis, on tient. On fait l'effort, c'est notre dernière position de mobilité pour ce soir. Ensuite, on démarre l'échauffement. Encore 5 secondes. Et 3, 2, 1. On relâche. Et on peut se relever. Bien joué tout le monde, ça conclut notre mobilité. On va maintenant démarrer l'échauffement général en commençant par le squat. Donc on prend son écartement naturel de squat, c'est-à-dire un petit peu plus large que la largeur de notre bassin. Les pieds vers l'extérieur, le regard vers l'avant. On déverrouille les genoux, on envoie les fessiers vers l'arrière et on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire et on remonte, on tend les jambes, on contracte les fessiers. Le squat, mouvement naturel de base, on va en faire 10. C'est parti. Et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On va descendre au sol. Se mettre à quatre pattes. Et observez bien mes pieds qui viennent se mettre non pas en pied pointe, mais en pied flex. Donc là, j'ai vraiment un appui, une accroche au sol, puisque mes orteils sont dans le tapis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée, c'est de venir décoller légèrement les genoux du sol. Juste quelques centimètres pour n'avoir plus que les pieds et les mains en contact avec le sol. Donc là, je suis décollé et je suis de retour genou au sol et je suis décollé à nouveau. Pour l'instant, on va simplement décoller, tenir 2 secondes et redescendre. Les genoux au sol, on fait ça 5 fois, c'est parti. Et 1, je tiens 2 secondes, je redescends. 2, je tiens 2 secondes, genoux décollés, je redescends. 3, 4, 5. Ok, on va refaire cet exercice. Maintenant, en même temps que je décolle les genoux, je viens décoller une main qui va venir toucher l'épaule opposée. Et je décolle l'autre main qui vient toucher l'épaule opposée. Ça dure environ 2 secondes, ça tombe bien puisque c'est le temps aussi qu'on décollera les genoux. On se remet en position, je décolle le genou, je viens toucher à droite, toucher à gauche, je redescends les genoux. Ok, on fait ça 5 fois, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Super. On va rendre la chose un petit peu plus dure. Le même principe, plutôt que de venir décoller et toucher l'épaule opposée, on va décoller et faire un levier vers l'avant. Là, je suis relevé, donc ça fait levier vers le ciel. Mais tout à l'heure, je serai parallèle au sol et donc ça fera levier vers l'avant. Ok? C'est un petit peu plus dur, vous allez voir. On refait ça 5 fois. On se met en place. On décolle les genoux. Levier. Levier. On redescend. On fait ça 5 fois, c'est parti. Et 1. 2, 3, 4, 5. Super. On va venir se mettre en planche, bras tendus. Nos bras sont déjà tendus, donc on va maintenant se mettre en planche. Je colle mes deux pieds, je contracte les fessiers. Je pousse légèrement les orteils vers l'avant et je tiens 20 secondes. On se met en place. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, 20 secondes. Contractez bien les fessiers. On ne doit pas avoir le bassin qui s'effondre. C'est vraiment fessiers contractés. Jambes tendues, légèrement poussées vers l'avant. On a fait la moitié. Encore 10 secondes. 3. 2, 1, vous pouvez relâcher. On va refaire de la planche, mais cette fois-ci sur les coudes. À l'instant, on était en bras tendus, maintenant on va passer sur les coudes. Donc, pas besoin de rapprocher les deux poings. Vous pouvez avoir les poings écartés, ce qui est important, c'est d'avoir les coudes au sol. Allez, on se met en place. Coudes au sol, même principe, deux pieds collés, je contracte les fessiers, je pousse légèrement vers l'avant, c'est parti, 20 secondes. Planche coude. Allez, on tient, on tient, on tient. Et 3, 2, 1, on relâche. Alors, j'en profite pour faire un point sur la nuque. Souvent, je vois des pratiquantes et pratiquants, lorsqu'ils font la planche, qui viennent complètement tirer leur nuque et qui
souhaitent absolument regarder vers l'avant lorsqu'ils font leur planche. Relâchez votre nuque. Votre nuque n'a rien à voir avec le gainage abdominal ou la contraction des fessiers. Donc relâchez. Elle travaille déjà bien assez avec votre téléphone et votre ordinateur au cours de la journée et de la nuit. Laissez votre nuque tranquille. Regardez simplement au niveau naturellement de vos mains ou de vos coudes et c'est très bien. Ok ? On va maintenant faire de la planche dynamique. Planche dynamique, c'est lorsqu'on passe du bras tendu au coude et qu'on remonte des coudes en bras tendu. Ça donne ça. Je pars bras tendu, je descends un coude, l'autre coude, je remonte un bras tendu, deux bras tendus. Ça s'appelle une planche dynamique, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de planche commando. C'est la même chose, c'est deux noms différents. Ce qui est important dans ce mouvement de gainage dynamique, c'est le roulis du bassin. Ce qui se passe si on n'est pas bien gainé, lorsqu'on descend, on va complètement partir d'un côté, puis complètement de l'autre, comme si on était un bateau ivre. Moi, j'aimerais qu'on soit au contraire vraiment gainé pour éviter ce roulis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contracte bien les abdos, on contracte bien les fessiers pour que la descente soit propre et contrôlée et que la montée soit propre et contrôlée. Allez, on essaye 5 planches dynamiques ou 5 commandos. C'est parti! À votre rythme. Et 1, on contracte, on remonte. 2, 3, 4, 5. Super. On va se relever et refaire un deuxième tour d'échauffement. En commençant par le squat, je prends mon écartement de squat, regard vers l'avant, dos droit, buste fier, et on va faire 10 squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Regardez un petit peu votre écran, on va maintenant voir le bear twist. C'est pas un mouvement compliqué, c'est pas un mouvement très intense, mais c'est un mouvement compliqué au niveau du placement et c'est pour ça que ça demande un peu d'attention avant d'essayer. Donc, le bear twist, on commence par décoller les genoux, puis on va pivoter le bassin, enlever une main. Le pied droit passe en l'endroit où était le pied gauche au pied droit. On lève le bassin et on va chercher vers le ciel. Dans la redescente, c'est l'inverse. On redescend le bras, le bassin, on pivote à nouveau. Le pied droit va se mettre à l'endroit où il était à la base, donc à droite. Le pied gauche repasse à gauche, la main au sol et les genoux reviennent. On est à nouveau à quatre pattes. On fait la même chose dans l'autre sens. Hop! Pivot, bassin et le bras. Ok ? On va se mettre en place, on va faire 6 bear twists en alternant droite-gauche. Prenez votre temps, faites vraiment bien le twist pour commencer et on est parti. Et bear twist et 1, 2, 3, 4, 5, et le dernier, 6, et on relâche. Alors, lorsque vous revenez les genoux parallèles au sol, vous pouvez soit tout de suite passer sur le twist suivant sans que les genoux retapent le sol, ou vous pouvez faire une pause, genoux au sol, redécoller les genoux et repartir. C'est libre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, je préfère garder les genoux toujours décollés proche du sol
Ça me permet de passer de l'un à l'autre rapidement, mais vous pouvez très bien faire une pause à ce moment-là. On va se remettre en planche commando. On fait 6 répétitions. On se met en place, une jolie planche, fessiers contractés, les épaules poussées vers l'avant. Et on est parti, on descend et 1, on remonte et 2, on contracte, on minimise le roulis et 3, 4, 5 et un dernier, 6. Super les amis, vous pouvez vous relever, on a fini l'échauffement général, on va maintenant faire un échauffement spécifique pour le renforcement de ce soir. Pour cet échauffement spécifique, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser une chaise, un tabouret ou n'importe quel support qui vous permettra de tenir votre poids de corps. Ça peut être par exemple un bout de lit, un bout de canapé, une table, tout support que vous pouvez utiliser. Pour l'exemple, moi je vais me munir d'une chaise transparente, c'est drôlement pratique, et j'y reviens tout à l'heure. En renforcement ce soir, on va venir faire des Cossack squats. Donc Cossack squat, c'est un squat dans lequel une jambe va rester tendue pendant que l'autre se plie. Et on fait ensuite la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc ça nous vient des Slaves. C'est un squat qui est hyper intéressant pour renforcer justement les fessiers, les ischios, les quadriceps. Et on va le travailler ce soir. En échauffement, je vais simplement vous demander de prendre un écartement beaucoup plus large que d'habitude. Et ensuite, on va travailler le placement de la jambe tendue. Donc, pour l'exemple, on va commencer jambe tendue à gauche. Et j'aimerais que vous basculiez votre poids de corps vers la droite jusqu'à avoir une jambe droite légèrement fléchie, une jambe gauche tendue, et regardez les orteils de la jambe gauche qui pointent vers le ciel. Parce que la première chose que je souhaite vous faire voir, c'est que l'on part deux jambes tendues, et dès qu'on envoie le poids sur une jambe, l'autre est tendue, et l'appui pivote. Okay? C'est ce pivot-là qui est important. Parce que si vous ne faites pas votre pivot, vous allez rester le poids très vers l'avant. Or, on souhaite avoir le poids vers l'arrière et le buste le plus fier possible. Donc, on s'offre un petit peu de mobilité en pivotant un pied pour descendre bien droit et remonter bien droit. Ok? C'est ce qu'on va essayer tout de suite. C'est là que rentre en jeu la chaise, le tabouret, puisque vous pouvez vous en servir juste comme une sécurité, comme un appui, comme une canne. Pour remonter si besoin. Hop, je suis descendu, je peux m'aider, je remonte, très bien. On va venir essayer 5 fois à droite, 5 fois à gauche. On se met en place, écartement de squat large. On commence par la jambe droite et Cossack squat et 1. Buste fier, dos droit, je remonte, je reste à droite. 2. À tout moment, si besoin, je mets de mon support. 3. 4. Et un dernier à droite. 5. Ok, on garde le même écartement, on bascule à gauche. 5 répétitions. Et 1. 2. 3. 4 et un dernier 5. Ok, vous pouvez ramener les jambes. Donc, pendant que vous reprenez votre souffle, on va voir deux points essentiels pour un bon Cossack squat. Le premier, c'est la profondeur de squat. Donc, je vois de temps en temps des participants, des élèves qui font des Cossack squat les pieds trop serrés. Hop, je vais resserrer un petit peu mes pieds. Et ça donne un Cossack squat dans lequel il est impossible de descendre les fessiers sous les genoux. Ouais, mais j'y arrive pas, je ne peux pas forcer, ça ne marche pas. Le seul moyen pour moi de descendre
les fessiers sous les genoux, ça serait de relâcher ma jambe. Or, elle doit rester tendue. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous n'arrivez pas à descendre les fessiers trop bas, c'est d'écarter un peu plus. Et hop, comme par magie, hop, on peut descendre. La deuxième chose que je souhaitais voir avec vous, c'est la verticalité du buste. Il faut avoir le dos droit. Très bien. Mais il faut avoir le buste vertical, fier. Regard vers l'avant, pas penché. Mon dos est droit là, mais je suis penché. Donc on veut avoir et le dos droit et le buste vers l'avant. Et pour ça, la meilleure manière de le faire, c'est de basculer son poids vers l'arrière. Parce que trop souvent, on se met poids sur les orteils et quand on descend, hop, bah naturellement, on va vers l'avant. Si vous sentez que votre poids est vers l'arrière, si vous faites l'effort de contracter les fessiers, de vous envoyer un petit peu vers l'arrière, juste cette bascule, de sentir votre corps qui est plus sur le talon que sur l'orteil, hop, je squatte, et c'est beaucoup plus simple de rester vertical. Voilà pour les deux points que je souhaitais voir. On va refaire 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche, mais maintenant j'aimerais qu'on mette un tempo. Le tempo est simple. On va descendre doucement, remonter rapidement. Donc on descend tout doucement, vous pouvez compter 1, 2, 3 et hop, on remonte de manière énergique. On fait ça 5 fois à droite, 5 fois à gauche, c'est parti. Et 1, je descends doucement, je remonte. 2, 3, 4. Et 5. On passe à gauche. Et 1. 2. 3. 4. Et la dernière, 5. OK. Vous pouvez ramener un petit peu les jambes. Donc, lors de la remontée explosive, un défaut que je vois souvent, c'est je descends, jambes bien tendues, et puisqu'on me dit explosif, hop, je repousse des deux jambes fléchies. Non, l'explosivité, il faut réussir à la trouver avec une jambe fléchie et une jambe tendue. Okay? L'explosivité, elle est relative. Si vous avez des énormes cuisseaux que vous avez l'habitude de faire du squat, c'est relativement simple de mettre de l'explosivité. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du squat et encore moins ce mouvement-là, ça sera beaucoup plus dur. Voilà qui est dit. On passe maintenant au tempo inverse. Donc on va descendre vitesse normale, mais on va remonter doucement. Donc on sera obligé de faire une petite pause en bas. Vous allez voir que ça va être encore un petit peu plus dur. On fait 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche. Descente normale, remontée doucement. Allez, c'est parti, 5 à droite. On descend normal et on remonte tout en contrôle. Et 2. 3. 4. 5. Super, on fait la même chose à gauche. Et 1. 2. 3. 4. 5. Super, j'ai une bonne nouvelle, on a fini pour l'échauffement. Que ce soit le général ou le spécifique, buvez un coup, c'est ce que je m'apprête à faire. Et je vous présente tout de suite la séance au tableau. Donc vous l'aurez remarqué, c'était un échauffement un petit peu plus didactique, un petit peu plus précis que d'habitude. On profite du fait qu'il fasse chaud pour travailler des mouvements un peu plus exotiques. Et donc ça demande souvent plus d'explications. Bonsoir Noémie, bonsoir Étienne.
Bonsoir Cosmine qui n'a rien fait depuis une semaine et qui se sent gras. Eh ben alors Cosmine, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je bois un coup et je vous présente la séance 70. Donc, dans notre séance 70, on va faire du renfo, 6 tours, 25 secondes d'effort à droite, 25 secondes d'effort à gauche et 25 secondes de repos, 6 fois de suite. À nouveau, on va faire 6 tours, 25 secondes de flexion à droite, immédiatement suivi de 25 secondes de flexion à gauche, puis 25 secondes de repos. On va travailler chaque tour avec un tempo spécifique. Le premier tour, on va avoir une descente rapide et une remontée lente et contrôlée. Le deuxième tour, on va descendre doucement et on va remonter de manière explosive. Le troisième tour, on va revenir descente rapide, remontée lente. Quatrième tour, descente lente, remontée explosive. Cinquième, vous avez compris. Sixième, vous avez compris. D'accord? À chaque tour, de toute façon, je vous rappellerai le tempo qu'il y aura à mettre. Si c'est trop simple pour vous, vous pouvez vous aider d'une charge externe. Cette charge externe, on va venir la coller à la poitrine. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une gourde, ça peut être un livre, une haltère. Ce qui est important si vous faites ce choix-là, c'est de rester vraiment le plus vertical possible. Au contraire, si c'est trop difficile de faire des Cossack squats, on va s'aider d'une chaise, d'un tabouret, comme je l'ai montré pendant l'échauffement, pour venir rendre la remontée et la descente un petit peu plus facile en soulageant son poids de corps grâce à une chaise, tabouret, canapé, table, etc. Ensuite, l'entraînement ce soir, 12 minutes de circuit, on fera 6 tours à nouveau de 3 ateliers. Chaque atelier durera 30 secondes d'effort et vous aurez 10 secondes de transition pour passer au suivant. Je ne parle pas de repos dans ces 10 secondes parce que c'est trop court. Ces 10 secondes sont là pour vous permettre de souffler, de relâcher et de vous remettre en position sur le suivant. C'est tout. J'attends de vous et j'attends de moi de repartir à la seconde 0-0 à chaque fois. Pas venir gratter 5 secondes là où je devrais être en mouvement. Les trois ateliers. Le premier, c'est le bear twist, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est planche commando ou planche dynamique, deux noms pour signifier la même chose. Et le troisième, le plus simple ce soir, c'est du squat. Ok? Donc ce soir, on a du squat en entrée et du squat au menu. C'est normal, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc on en profite un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon c'est l'occasion de boire un coup et de se mettre en place pour notre renforcement qui durera 7 minutes ce soir. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je vous invite donc à boire un coup, à vous préparer si besoin à prendre votre chaise, votre tabouret, le mettre juste pour pouvoir, si besoin, poser la main et céder pour descendre, céder pour remonter. On est parti pour 6 tours, 25 secondes de Cossack squat à droite, 25 secondes de Cossack squat à gauche et 25 secondes de repos. Le premier, on va descendre doucement et rem... Ah non, je dis des bêtises. On va descendre rapidement, c'est ça, et remonter doucement. Allez les amis, on est parti dans 15 secondes. Cossack squat, on commence à droite, on descend rapidement et on remonte tout en contrôle. C'est parti. Allez, encore 5 secondes. On va passer à gauche et à gauche.
ce premier tour. Le tour suivant, on va descendre doucement et remonter de manière explosive. On est reparti dans 10 secondes. Vous pouvez vous remettre en place au niveau de l'écartement. On souffle un bon coup, on se prépare pour la droite. 2, 1, on descend doucement. Et on remonte de manière explosive. Allez, encore. On change de côté. Allez, à gauche. On descend doucement. On remonte de manière explosive. Et deux tours de fer. Ok. On va repartir à droite à nouveau. Descente normale, remontée lente et contrôlée. 10 secondes, n'hésitez pas à écarter, à secouer un petit peu vos jambes. On se remet en place. 3, 2, 1. Descente normale, remontée lente et contrôlée. Allez, on est à droite. On change de côté. Et on relâche. C'est bien les amis, on a fait la moitié. À gauche, à droite, pardon. Descente lente, remontée explosive. 3, 2, 1, allez. On change de côté, on va à gauche. Descente lente, remontée explosive. Et on relâche. C'est bien, il nous reste deux passages. Chaque tempo à faire. Allez, 10 secondes, on repart à droite. Descente rapide, remontée lente et contrôlée. C'est parti. Et on change de côté. Et on
Ok, il nous reste un dernier tour pour finir notre renforcement ce soir. Descente lente, remontée explosive pour finir le renfort. On est reparti dans 3 secondes à droite. Descente lente, remontée explosive, c'est parti. On change de côté. Allez. Jusqu'au bout. Et on relâche. Bien joué tout le monde. Ça conclut notre renforcement pour ce soir. Buvez un coup, je repasse au tableau pour vous montrer la suite. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Le renforcement est terminé. On va maintenant passer à l'entraînement du soir où on fait notre 6 tours de bear twist commando squat. Chaque atelier va durer 30 secondes et vous aurez 10 secondes pour passer de l'un à l'autre. Au total, ça durera 12 minutes. Parlons maintenant un petit peu de l'intensité à produire. Cette intensité, ce soir, elle va être un peu plus faible que d'habitude, probablement parce qu'il fait plus chaud que d'habitude chez vous. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans un endroit frais et que vous avez de la patate, gardez une intensité la plus haute possible. L'intérêt de travailler au temps et non pas au nombre de répétitions, c'est que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. L'intensité, elle est variable en fonction de votre condition physique, de votre habitude à pratiquer, de votre envie et de votre détermination chaque jour, qui, elle, peut être variable. Il y a des jours où on a envie, il y a des jours où on est déterminé, il y a des jours où c'est moins le cas, même si on s'entraîne. Okay? Soyez propre, rigoureux sur vos bear twists. Les bear twists, c'est avant tout une question de coordination. Pas besoin d'aller très vite. Par contre, placez bien vos pieds, montez bien le bassin, envoyez bien les bras vers le ciel. Si vous ne faites pas ces étapes dans ce sens-là, ça ne va pas marcher. Sur les commandos, pareil. Le sens du mouvement, c'est de rester gainé à travers la descente et à travers la montée. Ce n'est pas de relâcher le gainage, de se regainer lorsqu'on est en haut et de se regainer lorsqu'on est en bas. C'est gainé pendant toute la descente, gainé pendant toute la montée. Et les squats, enfin, même si c'est le mouvement le plus simple ce soir, je vous rappelle que ça se fait avec le poids sur l'arrière du pied, le dos droit, le buste fier, le regard vers l'avant, et très important, les fessiers en dessous des genoux ou le plus bas possible près des genoux. Voilà. J'ai beaucoup parlé, vous avez eu le temps de boire un coup, on va maintenant partir sur l'entraînement. Le premier tour, c'est toujours une question de test, voir comment on se sent. On se met en place et on va partir. Allez, 6 tours. 30 secondes d'effort. 10 secondes de transition. On se met en place. On commence par le bear twist au sol. 5 secondes. 3, 2, 1. Et bear twist. Pour la planche commando, 3, 2, 1, et commando.
finir ce premier tour, on va faire 30 secondes de squat. 3, 2, 1 et squat. Ok, on a terminé notre premier tour. On se remet au sol pour les bear twists. 3, 2, 1, et twist. On se met en place pour notre planche commando. 3, 2, 1 et commando. Allez, on fait attention à rester bien gainé. Pour finir le deuxième tour, c'est parti. Deux tours de fait. On se remet en place au sol pour les twists. 3, 2, 1 et vers twist. Mets en place pour la planche commando. 3, 2, 1, c'est parti. On se relève pour faire nos squats. Dernier tour. 2, 1 et squat. Trois tours de fait les amis, on a fait la moitié. Allez, on retourne au sol. Bear twist. C'est parti.
relâche un instant. Vous pouvez secouer un petit peu les bras si c'est commencé à tirer. Et on se remet en place pour le commando. C'est parti. On se relève, on se met en place pour nos squats. 3, 2, 1, c'est parti. Quatre tours de fait, il nous reste deux tours. Allez, on se remet en place au sol pour les bear twist. 3, 2, 1, et twist. Descendre au sol, se mettre en place pour le commando. 3, 2, 1, commando. Allez, on contracte les fessiers, les deux pieds collés, on reste bien gainé. Pour nos squats, 3, 2, 1, et squat. Ça fait 5 tours, il nous reste donc le dernier tour, dernier passage sur chaque atelier. On passe pour les twists et twist. Allez, 10 secondes. Jusqu'au bout. On reste propre. Génial. On a terminé avec les bear twist. On va maintenant terminer les planches commando. 3, 2, 1. C'est parti. On reste bien fessiers contractés. Abdos gainés. Secondes. Et on remonte. 3, 2, 1. On squatte. 30 dernières secondes d'effort pour ce soir. Allez, on y va.
5, 3, 2, 1, et retour. Bien joué tout le monde. On en a fini avec nos efforts pour la séance 70. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous invite à boire un coup et on se retrouve devant l'écran pour débriefer ensemble. Bien joué Cosmine, bien joué Noémie, Étienne, Chloé, Paul, Vicky. Bravo à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager cette 70e séance avec vous. Donc, comme je l'ai dit en intro, je le répète à la fin. Aujourd'hui, puisqu'il fait un petit peu plus chaud que notre habitude, on va faire des choses plus techniques qui demandent peut-être un peu plus de concentration et un peu moins de cardio. Vous le voyez, là, je peux parler relativement normalement, même si mon t-shirt est tout mouillé, parce qu'au final, mon cœur, certes, il a été sollicité, mais ce n'était pas le muscle principal sollicité aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit j'aime, un petit like, à partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne OFIT, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram. On se retrouve mercredi soir à 18h45. À nouveau pour une séance. Normalement, la température devrait être un petit peu plus basse. Et donc, normalement, on devrait pouvoir faire une séance un petit peu plus intense. Et on se retrouve aussi jeudi à 18h45 pour notre séance hebdomadaire consacrée à la charge externe. Pas besoin d'acheter du matériel si vous n'en avez pas. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Vous pouvez prendre un bidon de lessive ou d'eau déminéralisée ou de lave-glace. Et évidemment, si vous avez, vous pouvez prendre et préparer votre halter ou votre kettlebell. On se retrouve mercredi soir et jeudi soir. Merci à tous d'avoir participé à ce live en direct. Merci à toutes les personnes qui le feront en replay. N'hésitez pas encore une fois à la petite, au petit j'aime, au petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Bonne douche, bonne soirée. À mercredi. Salut tout le monde.